Salut les gens, aujourd'hui de retour sur un let's play de Murderer So Suspect. Petit résumé de la partie précédente. On s'était rendu dans la maison du jugement. La maison du juge qui, lors des procès sur les sorcières, habitait et faisait chez lui justement des procès. Mais aussi apparemment la cachette du crieur des morts, ça va venir. Et en descendant la cave, on a retrouvé le corps de Baxter, qui s'est également battu contre le crieur des morts. Mais tout comme pour nous, ça a eu une fin tragique, mais apparemment, lui, il s'est pris une balle dans l'œil. Donc, on a rencontré son fantôme, qui nous a un peu expliqué qu'il était lui aussi sur la piste du crieur des morts, que Cassandra, la mère de Joy, était en sécurité à l'extérieur de la ville, et qu'il connaissait également Joy parce qu'il voulait, comme sa mère lui avait demandé, la mettre en sécurité. Voilà, voilà. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est explorer les lieux qui n'ont pas été visités dans la maison pour trouver d'autres indices. Et pourquoi pas le crier des morts. Alors, si vous avez suivi la partie précédente, je vous avais énoncé mon hypothèse comme quoi... Comme quoi le crieur des morts, déjà d'une, n'était pas Baxter, comme pouvait le penser Ronan, mais ce serait peut-être un démon. Et d'après ce qu'a dit le crieur des morts à Baxter pendant qu'il se battait, puisque Baxter lui avait dit pour le titiller qu'il n'en avait plus pour très longtemps, qu'il allait mourir, le crieur des morts lui avait répondu qu'il était déjà mort. Donc ça peut tout dire, ça peut dire que c'est, c'est un démon ou que c'est un homme qui est mort et qui a peut-être possédé un corps, mais il serait sacrément fort quoi pour ça quoi. Donc voilà pour ce qui est de mon hypothèse sur le crieur des morts qui se confirme apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, on va déjà révéler ça. Analyser. Ouh, ça a l'air d'être le truc de Salem, ça, non? Ouais, c'est le gars qu'on avait vu dans une vision au musée qui demandait à sa femme d'arrêter de parler aux fantômes parce que sinon elle allait passer pour une sorcière. Je crois que c'est ça. Alors, sévère, puisqu'il montre du doigt. Accuse, montrer du doigt c'est ça, passer un jugement. Trône la vertu, mais tu te sais coupable, tu recevras le châtiment que tu mérites. Ça m'a l'air d'être ça. Moralisateur, l'homme en colère accuse sévèrement un prisonnier dans la cellule et déclare que l'heure de la punition a sonné. Et là... Ah, c'est la petite fille. Implore. Prisonnière. Prenez pour le garant de la justice. Ceci est injuste. Non, ma pauvre. Abigail était prisonnière ici et se considérait comme la victime d'une injustice. Il n'y avait rien dans sa cellule avec elle. Il y a quelque chose là, révélé. Lumière éteinte. Depuis le temps. Elle ne devrait pas être d'une grande efficacité dans ces ténèbres. Quelque chose là. Ah tiens. Qui a dessiné ceci? Symbole dans la cellule. Le symbole du tueur a été dessiné sur le sol de la cellule. Mais par qui? Ça se trouve, c'était elle qui avait passé un pacte avec le démon. Pour qu'ils arrêtent de l'embêter, quoi. Au final, ça n'a pas été d'une grande utilité, mais... Si on dit qu'il y a une sorcière qui a passé un pacte avec un démon... Une prison dans une prison. C'est clair.
Quel besoin de mettre quelqu'un en cage s'il est déjà prisonnier d'une cellule? Il me manque des indices là. Révélé. Ah non, ça c'est pas en rapport avec l'histoire. Y a rien d'autre. Examiner. Pas de répit pour les méchants. Lit de prisonnier. Brrr. Et dire que je me plaignais du lit que j'avais en prison. Il me manque un petit indice. Alors, est-ce que des gens auraient écrit des trucs sur les murs? Non. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Sur les murs, il n'y a rien. Ah, les chaînes peut-être. Attaché. Ce n'est pas une prison, ce sont des oubliettes. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Abigail. Je pense que ça, c'est pertinent. Oubliette peut-être? Non. Le moralisateur. Je pense que lui. Ouais, c'est ça. Tu prônes la vertu, mais tu te sais coupable. Tu recevras le châtiment que tu mérites. Je vous prenais pour le garant de la justice. Ceci est-il juste? La cour n'est pas un moyen de mettre en œuvre une folie meurtrière. Ce soir, Abigail, les familles des âmes innocentes, condamnées à la suite de tes fausses accusations, se verront accorder une juste réparation. Fausses accusations? Quelles sont ces inepties? J'imprimerai cette marque au fer rouge dans la chair de cette ville. Me prendre l'éternité, je ferai moi-même exécuter chacune des sorcières de Salem. Celle qui... Attends, mon assassin est donc... Abigail? C'est elle le crieur des morts? Comment est-ce possible? Il faut absolument que je sorte d'ici et que j'arrive à la retrouver. Alors, elle pourrait posséder les gens et les contrôler comme elle veut. Haha, que de révélations. Ça se précise de plus en plus. Donc, je dois sortir, hein, c'est ça? Comment je sors? Ah, je vais pas faire machine à rien, quand même, si. Oh non. Qu'elle doit être en danger. Où est-ce que t'as emmené Joy, enfoiré? Est-ce qu'il avait les yeux bleus, Rex? Si ça se trouve, elle prenait le contrôle de Rex aussi. Là, on peut dire que n'importe qui peut être le crieur des morts, vu que c'est Abigail qui contrôle les gens. Où Abigail emmènerait-elle? Ben, potence à l'époque, de l'époque puritaine. Destination du tueur. C'est qui ça? Grenier de l'église, je pense pas. L'église, tu crois? Non. J'ai un petit doute là, hein, franchement. L'instrument de mort, ah bah voilà. Il me manque un. Celui-là. Celui-là peut-être. Ouais, c'est ça.
L'instrument est celui de sa propre mort, le lieu de son exécution. La potence exposée au musée. Tiens bon, gamine. J'arrive. Faut tout que je refasse. Retrouver Abigail, le tueur détient Joy au musée. Démarrer l'enquête. Si Abigail est bien le tueur, alors son instrument de mort est forcément la potence au musée. Ok. Bon, bah. Si je dois refaire toute la maison, bah je couperai. Ah bah non, c'est bon. J'avais juste à remonter un peu. Ah, il y a les ombres noires. Alors, musée historique, donc on va s'y rendre vite fait. Ok, on est arrivé. Musée historique de Salem, êtes-vous sûr de votre choix? Vous ne pourrez plus retourner à Salem si vous continuez vers la confrontation finale. Ah, donc on arrive à la fin. J'en suis à 13 minutes. Bon, on va continuer, hein, on va bien voir combien de temps elle dure. Allez, c'est parti. Personne ne mérite d'être assassiné. Et quand un meurtrier tente de justifier ses actes en invoquant la vertu, ça fait de lui un dangereux psychopathe. Oh là là, on est partout. Alors... Slalom, slalom. Slalom, slalom. Eh, il n'y a plus les petits fantômes. Ouh là là. Ah, c'est lui. C'est Rex. Joy! Ronan, à l'aide! Plus un seul geste. Non, pas toi, Rex. Ça n'a rien à voir avec elle, Abigail. Oh si, elle le mérite. Pendant 300 ans, je me suis chargé d'exécuter les sorcières qui souillaient notre glorieuse ville. Celles qui cherchaient à dissimuler leur contrat démoniaque et manipulaient des pouvoirs répugnants. Exactement comme toi. Ne me comparez pas à elle. Tout doux, tout doux. Mettez les mains en l'air. À l'aide. Non, ne fais pas de conneries. Mains en l'air. Arrêtez-vous immédiatement. Allez. Tout de suite. Abigail, arrête! Espèce d'ordure. Qu'est-ce que tu fabriques? Pas maintenant. C'était toi depuis le début. Je ne voulais pas que tu découvres la vérité. Ronan, fais quelque chose! Mais qu'est-ce que tu crois que je fais? Que j'ai des claquettes? Tiens bon, petite. J'arrive, j'arrive! Oh. Arrête-toi! Comment je fais? Procéder. Suggérer. Oula! Qu'est-ce que je vais lui suggérer? Hurlement puissant, voilà. Ah ouais, mais t'endors pas. Hein. C'est terminé, Abigail. Oh oh.
posséder. Là, ici. Non, je peux pas. Comment arrêter Abigail? Je sais pas. Je sais pas. Oups, tu fais une bêtise. Est-ce que je pouvais posséder Rex? Alors, je sais que je peux passer. Suggérer. Le cri. Est-ce que je peux posséder lui? Comment je suis censée faire? Ah non, je peux pas. Je sais pas du tout. Alors là, je suis paumée. Bon. En plus, je n'ai que 6 petites secondes. Allez. Tic, tic, tic. Posséder, suggérer, le cri. Hop. Bon, désolé, hein, je passe tout. Comment l'arrêter? Ah! Attraper. Ah, je savais pas que je pouvais l'attraper. Le moment est venu, Abigail Williams. Fléau de Salem, l'heure est venue de payer pour tes péchés. Non, c'est impossible. Tu veux utiliser mes souvenirs contre moi? Je veux bien jouer avec toi. Oula. Je connais la vérité sur ta mort. Mais je ne sais encore rien sur la mienne. Tu t'es servi de Rex pour me tuer. Tu t'es servi de Rex pour m'éliminer. Rex était mon tueur le plus influent. Le plus respecté, le plus craint de tous les puissants de la ville. Oui, je me suis servi de lui. Comment Rex pourrait-il être le tueur? Mais enfin, comment est-ce possible? Le tueur de Rose avait les yeux bleus, ceux de Rex sont noirs. Je n'ai pas utilisé le même tueur pour tous les meurtres. Ah! Baxter. Pourquoi tuer Baxter? Pourquoi as-tu tué Baxter? Je finis toujours par éliminer ceux dont je me sers. En particulier, ceux qui sont sur le point de tout découvrir. Pourquoi est-ce que tu m'as tué? Mais moi, j'allais rien découvrir dans l'appartement. Je n'étais pas l'un de tes tueurs. Pourquoi m'avoir tué? Ah, si. Oh là. Non. Impossible. Non, impossible. Non, comment j'aurais pu? Tu m'as forcé à le faire. Eh bien. Si je dois disparaître, tu viens avec moi. Allez, chope-la.
ils me font pas faire un QT ou je sais pas quoi là, je m'ennuie là. Ça aurait été bien qu'ils me fassent intervenir. Tant pis. Tu l'as échappé belle. Tu vois comme quoi c'est bien les fantômes. On a tous une part de ténèbres. Certains la dissimulent. D'autres pas. Avec de la chance, cette part peut demeurer secrète. Pour la loi, Rex était un tueur. Mais la loi ne l'a jamais découvert. Joy le savait. Mais elle n'est pas du genre à le dénoncer. Elle l'aiderait plutôt à effacer ses traces. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vaut beaucoup plus que moi à son âge. Cette gamine mérite l'absolution. On lui doit bien ça. Et même le plus dur des flics peut fermer les yeux sur quelques délits mineurs commis par une ado à la recherche de sa mère. Maman ? Le crieur des morts n'a plus tué depuis le jour de la disparition d'Abigail. L'affaire n'a jamais été close. Les souvenirs s'estompent, le temps passe. Avec de la chance, Salem finira par trouver la paix. Mon père disait toujours, la mort efface les dettes. Et pendant un temps, j'y ai cru aussi. Mais à vrai dire, on ne peut quitter cette vie qu'en assumant ses responsabilités. En étant honnête. En remboursant ses dettes. Et alors, enfin, on peut partir. Ronan ? Bon, ben, finalement, ben, je vais revenir à la toute première vidéo que j'ai faite où je disais que je pensais que les impacts de balles qu'il avait sur le corps auraient une signification. Au final, je me suis totalement gourée. Ça n'avait aucune signification. C'est dommage. Ça aurait pu être intéressant d'inclure un petit mystère là-dessus. Mais bon, tant pis. Donc, voilà. Ben, fin plutôt sympa, même s'ils m'ont pas trop fait intervenir, quoi. C'était pas vraiment un combat de boss, même si ce sont des enquêtes de police, quoi. Mais bon, j'ai bien aimé, même si je m'attendais à certaines conclusions, celles de meurtriers multiples, en particulier avec Ronan, n'était pas attendue. Je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs tueurs, vu qu'elle pouvait posséder plusieurs personnes. Mais c'est vrai que Ronan, je n'y avais pas pensé. Mais bon, vu qu'elle a possédé pratiquement tous les mecs plutôt costauds, en particulier des flics. C'est peut-être pour ça aussi, en même temps qu'ils ne pouvaient pas découvrir qui était le tueur des morts, vu que c'était les flics qui le cherchaient. Mais en même temps, les flics étaient les tueurs des morts. Et que quand un flic s'approchait trop près d'un tueur des morts, ben, un crieur, pourquoi j'ai tueur ? D'un crieur des morts, eh ben, elle le faisait tuer par un autre flic. Comme ça, il pouvait dire le flic a été tué parce que il était sur la piste du crieur, alors qu'en fait c'était lui-même un crieur et il s'est fait tuer parce que il commençait à en trop savoir. Voilà. Donc plutôt bonne conclusion. Un petit jeu sympa, c'est pas un jeu, voilà. Le scénario n'est pas énorme non plus, même s'il a une bonne partie de mystère. Plutôt court, mine de rien. Je l'ai fait sur plusieurs jours, mais plutôt court quand même. Si on compte toutes les minutes que j'ai joué, je sais pas, ça doit faire 5-6 heures, un truc comme ça, même peut-être plus. Il faudrait que je voie dans la playlist, c'est marqué combien d'heures ça fait. Je n'ai rien d'autre à dire, je pense. Bah, pas de questions dans cette vidéo, hein. Je pense que
on a été assez servi. On a eu pas mal de réponses, donc ça ira. Ouais. Je crois que ce sera tout. Donc, merci les gens d'avoir suivi ce Let's Play avec moi. Ben, ça tombe bien qu'il soit fini maintenant. Comme ça, je vais pouvoir vite fait avancer dans les autres Let's Play avant que Last of Us sorte et que je vous propose son Let's Play. Donc, j'aimerais faire un grand merci à tous ceux qui ont suivi du début à la fin ce Let's Play. Grand merci à vous. Ben, vu que je n'ai pas de questions, ben, ça me plairait de savoir qui justement a suivi ce Let's Play du début à la fin. Donc, même si vous n'aimez pas laisser de commentaires sur les vidéos, je sais que c'est on le demande souvent et puis finalement, pas grand nombre laisse de commentaires, mais... Tout ce que je vous demande, c'est 3 petites lettres où vous marquez « moi ». Voilà, vous mettez « moi » dans les commentaires, comme ça je sais qui a suivi ce Let's Play en entier. Et puis, ben... Ah, je sais. Donc je vous demande de laisser un « moi » dans le Let's Play, dans cette vidéo, dans cette dernière vidéo. Vous mettez un « moi » en commentaire, comme ça je saurai qui a regardé ce Let's Play du début à la fin. Vous mettez un mois et quand je vous ferai la vidéo du dessin, en générique, je mettrai vos pseudos. Je pense que ça sera une bonne... vu que le dessin, c'est pour vous remercier d'avoir suivi le Let's Play. En même temps, je remercie les personnes qui l'ont vu en entier. Merci, hein, je sais que c'est pas la tasse de tout le monde de laisser un commentaire, mais s'il vous plaît... Faites-le et moi je vous citerai dans la prochaine vidéo dessin. Je sais que celle de Child of Light n'est toujours pas faite. J'en suis désolée, j'ai mis un peu de temps. Mais entre le travail, quand j'ai un peu de temps, je me lance plutôt dans l'esprit que dans le dessin. Donc je vais essayer ce week-end. J'ai normalement des jours de repos, donc j'essaierai de le faire à ce moment-là. Si j'arrive à m'avancer dans l'esprit, ben, je ferai justement le dessin. Sinon, je continuerai les respects, tant pis. Mais bon, je vais quand même essayer de vite vous lancer le dessin de Child of Light avant de vous faire celui de Murderer, Soul Suspect. Donc, je vous laisse, je sais pas, une bonne semaine, même 2 semaines, pour vous laisser mettre les commentaires. Comme ça, après, je pourrai mettre vraiment toutes les personnes qui ont suivi ce Let's Play. Merci pour ce Let's Play de l'avoir suivi. C'était un petit sympa, hein, mais... Merci quand même. Et à la prochaine sur un prochain Let's Play.